Bonjour à tous et bienvenue pour un tour d'horizon dédié à la nouvelle application Tâches d'Exo. Nous allons commencer par la page Aperçu, car elle intègre une vue rapide de l'ensemble des tâches de mes espaces qui me sont affectées et qui disposent d'une échéance. En cliquant sur une tâche, je vais pouvoir en voir le détail et au besoin l'actualiser et notamment la commenter. Les tâches sont gérées par projet afin de faciliter leur visualisation et leur suivi au quotidien. Chaque espace dispose de sa propre application Tâches, comprenant par défaut un projet du même nom. Dans un projet, je vais pouvoir visualiser et organiser mes tâches de différentes manières en fonction de mes propres besoins de suivi, en vue Kanban, en liste ou en regroupant et filtrant sur les champs de la tâche. Les tâches d'un projet sont par défaut classées dans quatre statuts que je peux modifier selon mon cas d'usage. Lors de l'ajout d'une tâche, je vais pouvoir y attribuer un titre, l'associer à un projet, y affecter une personne en charge, des dates de réalisation, la prioriser, lui mettre un statut et une description. Je vais pouvoir retrouver dans le centre d'application les tâches pour visualiser l'ensemble des projets sur lesquels je collabore, qu'ils soient liés à un espace ou non. Je vais justement pouvoir ici créer des projets qui n'ont pas besoin d'être liés à des espaces. Cela s'avère pratique lorsqu'on a besoin de suivre des actions entre quelques personnes sans pour autant avoir besoin de tout un espace. L'application Tâches me permet également d'avoir une vision sur l'ensemble des tâches sur lesquelles j'interviens, que cela soit des tâches qui me sont affectées, des tâches sur lesquelles je collabore ou des tâches dans lesquelles je suis juste mentionné. Je vais aussi pouvoir trier et filtrer mes tâches afin d'avoir la vue qui me convient le mieux pour traiter mes actions au quotidien et si besoin, je vais pouvoir ajouter des tâches personnelles qui ne sont liées à aucun projet. On espère que cette présentation vous aura plu. Bonne prise en main.